עצמי לכל הצדיקים המתים שבדורנו ולכל הצדיקים המתים שבני עפר וכל רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחנו היום כחוכמה רבנו רבי נחמן נפגע בסמכנה נחמן נחמן מאומן זכותו יגן עלינו וכל ישראל אמן אמן זאת השם שזה ישמיה כסדה פרול התורה עשו עלינו נשמת חנה ג'וליאט חנה ג'ולי ג'ורג'ט בת מרים ואליהו כן? בעזרת השם יתברך, זה באמת חפיזר דבור תחובר, עשיתי, זה פעם בו, חזק, ברוך השם, זה ממש, זה שפה שהוא עוקר. דוק, כמו אם אמדי סא אוג'ורדוי, אלור זה, on va travailler ensemble le שיעור qu'on va faire aujourd'hui, בעזרת השם, vous pouvez intervenir évidemment, l'essentiel c'est qu'on ressorte quelque chose de la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, de la Torah tout court. Alors, le sujet que je voulais aborder avec vous, c'est un sujet qui est évidemment très large et très profond, mais on va essayer de l'aborder d'une façon qu'on peut retenir quelque chose de ça. Mais le sujet que je voulais aborder avec vous, c'est que maintenant on est dans le prolongement de Sfirat HaOmer, même si on a fini hier la partie un peu difficile de la Sfira, et on va arriver bientôt dans Shavuot, dans deux semaines c'est Shavuot. Et tout le principe, dit Rabbi Nathan, de passer de Pessah à Shavuot, c'est qu'à Pessah, on demande à l'homme, enfin Hachem Yitbarach, il a demandé à l'homme d'amener un korban. À Pessah, c'était un korban de Omer. C'est pour ça qu'on appelle ça le Sfirat HaOmer, c'est parce qu'on a amené un korban de Omer. Un korban d'Omer, c'est une offrande. Pourquoi est-ce que Hachem il demande à un homme de ramener une offrande? Parce que c'est le moyen qu'a trouvé Hachem pour rapprocher l'homme de lui. Il lui a dit, tu me fais un cadeau, comme ça tu as l'impression d'être proche de moi. Moi je l'accepte, comme ça tu sens que je t'aime bien. Et comme ça, on crée une relation, toi et moi. Mais dit Hachem, depuis qu'on n'a plus les offrandes, Hachem il a dit, on va faire la même chose, mais avec la tefila. Toi, tu me fais un cadeau, tu me pries, moi je t'écoute, tu es content, on crée une relation, toi et moi. Ouais. Donc ça, c'est le korban du Homer. Le korban, c'est Milashon et Karvut, ça vient du Lashon, de la façon de parler, de dire qu'on est en train de se rapprocher l'un à l'autre. Ça, c'est pour le korban du Homer. Maintenant, dit Rabbi Nathan, qu'à Pessah, on demande de l'orge. L'orge, c'est une nourriture d'animal. Oui. A priori, nous, on ne mange pas beaucoup d'orge. Enfin, si, des fois, dans les gâteaux, mais ça veut dire, en général, ce n'est pas quelque chose qu'on mange cru, en tout cas. Donc, c'est encore à l'état d'animal. Il dit, par contre, quand arrive le Shavuot, il y a un autre korban que Hachem demande d'apporter. C'est un korban de pain. On amène du pain pour se rapprocher d'Hachem. Ça, c'est au moment de Shavuot. Donc il dit Rabbi Nathan, on voit de là qu'il y a une évolution dans le Corban, dans la façon dont Hachem nous demande de nous rapprocher. À Pessah, il nous a demandé de nous rapprocher avec de l'orge, et à Shavuot, il nous demande de nous rapprocher avec du pain. Il dit Rabbi Nathan, il pose la question, il dit pourquoi cette différence? Il répond que ça c'est tout le travail qui existe pour l'homme entre Pessah et Shavuot. C'est-à-dire qu'à Pessah, on t'a sorti d'Égypte, comme tu as dit le soir de Pessah, ouais, à l'Armanien, on t'a sorti d'Égypte. Mais, exactement, non seulement brut, mais presque tu n'avais aucun mérite. À part le fait que Hachem t'a demandé d'accrocher le mouton là, à ton lit et que tu l'as égorgé. C'est déjà grand, c'est déjà beaucoup pour l'époque. À l'époque, c'était leur dieu, etc. Mais à part ça, on avait presque aucun mérite. On a gardé notre langue, nos habits et nos noms. Mais sinon, on n'avait pas vraiment le mérite de quoi que ce soit, si ce n'est qu'on avait un petit peu d'émouna suffisamment pour tuer leur dieu et croire que Moshe, il allait vraiment nous sortir de là. Mais sinon, un cinquième, ils n'y ont pas cru, quatre cinquièmes, ils n'y ont pas cru, et un cinquième, ils ont eu ce peu d'émouna là qui était déjà grand pour eux, c'était énorme. Quand on passe en 210 ans en esclavage, C'est pas 20% qui ont fait. Un cinquième, 25%. 20%, un cinquième, c'est 20%. 20%, c'est 25%. 20%, un cinquième. Comme ça, j'ai la Gemara. Et donc, tout le but, c'est quoi? Enfin, tout le but. Donc, à Pessah, le principe, il est qu'on t'a sorti en tant que... C'est ce qu'on appelle un réveil d'en haut. C'est-à-dire, on t'a pris d'en haut, voilà. Et on t'a sorti, on t'a dit, voilà, si tu restes là une journée de plus, une seconde de plus, c'est fini pour toi. Tu n'auras plus aucune chance de sortir. Tu resteras esclave pour l'éternité. C'est pas seulement spirituellement, physiquement. Et donc là, maintenant, on t'a sorti. Dieu, il te dit, je te sors. Mais maintenant que je t'ai sorti, il y a un travail à faire qui va être un travail de réveil d'en bas, de ton travail à toi, jusqu'à Matan Torah, jusqu'au Har Sinaï et l'acceptation de la Torah. C'est quoi ce travail?
C'est un travail de passer de l'état animal à l'état d'homme. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nathan que lorsqu'on arrive à Shavuot, on demande à l'homme d'amener un korban qui est le korban de du pain. Parce que le pain, c'est une nourriture humaine. C'est la nourriture de l'homme. La Gemara, elle dit, un enfant ne commencera pas à distinguer, à dire papa, c'est-à-dire à distinguer qui est en face de lui et avoir, tant qu'il n'aura pas mangé du pain, enfin, pas du pain en pain, mais c'est-à-dire du blé, voilà, du dagan, du blé. Donc, tant qu'il n'aura pas mangé quelque chose à base de blé, il n'aura pas cette conscience-là de différenciation entre les choses qui le concernent. Donc, il y a un yann que le blé, c'est déjà un mahal d'homme, une nourriture d'homme. Alors maintenant, si vous comprenez ça, donc il y a un travail qui est fait depuis le moment où on est sorti d'Égypte jusqu'au moment où on reçoit la Torah, un travail énorme qui fait passer l'homme de l'état d'animal à l'état d'homme. C'est quoi l'état d'animal? L'état d'animal, c'est quand tu n'es pas en contrôle de toi. Quelqu'un qui est considéré un animal, on dit pourquoi tu te comportes comme un animal, ça veut dire que la personne, elle n'est pas en contrôle. Tout est à la place de lui. C'est-à-dire qu'il n'y a personne à l'intérieur de lui qui contrôle. S'il y a quelque chose qui l'énerve, il s'emporte. S'il y a quelque chose qui vient le chercher, il va commencer à crier. S'il jalouse, c'est-à-dire il y a toujours quelque chose. Ou bien s'il a envie de manger ou de boire, il peut pas se retenir. Il y a tout le fait qu'il n'est pas en contrôle. Ça s'appelle l'état d'animal. L'état d'homme, au contraire, c'est quoi un homme? C'est quelqu'un qui est en contrôle. Quelqu'un qui est capable de contrôler ses pulsions, ses envies, ses désirs, ses émotions. Oh, haba. Oh. Donc, quelqu'un qui est en contrôle de ses pulsions, de ses émotions, alors lui, il s'appelle un homme. C'est ça la différence fondamentale entre les deux. Et c'est ça que Hachem, il demande à l'homme pendant toute la Sfirat HaOmer, pendant les 49 jours de Sfirat HaOmer, c'est d'être capable de plus petit à petit ajouter du contrôle sur sa vie pour être en mesure de se comporter comme un homme. Ça, c'est sur la base, évidemment, de, on va dire, quelque chose de tout à fait théorique. Par rapport à la prière du Homer tous les jours. Par rapport à la prière du Homer tous les jours. Chaque jour du Homer... Pourquoi il n'a pas demandé à la femme, alors? Parce que la femme, elle n'a aucune obligation de faire... Sfirat HaOmer. Les jours du Homer, ils sont aussi pour la femme. C'est juste qu'elle n'a pas l'obligation de compter le Homer. Parce que la femme, elle n'est pas soumise au temps. La femme, elle est au-delà du temps. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui imposer quelque chose qui dépend du temps, parce que son temps, il est censé déjà être réservé à d'autres choses. Mais ça ne veut pas dire que le travail du passage de l'Égypte jusqu'à Shavuot, à Matan Torah, ce ne soit pas aussi un travail de la femme. C'est juste que le compte, il est réservé à l'homme. Mais le compte, c'est parce que l'homme y compte. Mais par exemple, c'est écrit que chaque jour du Homer, il correspond à une sphira. Une sphira. Alors, c'est quoi les sphirot? C'est très difficile à expliquer, mais bon, juste pour comprendre. C'est qui Dieu? Ça, c'est fini. On a trouvé parti pour 3 jours de discussion. Alors, c'est qui Dieu pour nous? Pas Dieu, parce que Dieu, on ne peut pas le définir, on ne sait pas que c'est qui Dieu. Mais c'est qui Dieu pour nous? Lui qui nous dirige. Hein? C'est le représentant de qui? Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant de quoi? C'est-à-dire celui qui dirige. Hein? Lui qui dirige. Le maître du monde. Ouais, ah. Mais pour nous. C'est-à-dire le maître du monde, c'est lui qui me dirige. C'est ça, c'est mon maître. Ok. Qui Dieu? Il n'a pas l'air d'être sûr. Là-bas derrière, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de faire les... Le créateur, il a dit là-bas. Ok. Non, pas dans les sphirotes. Après, on va rentrer dans les sphirotes pour comprendre. Alors, Dieu pour nous, ça c'est le Malbim qui l'explique très bien. Dieu pour nous, et Rabbi Nathan, il y a toute une sirha dessus aussi. Dieu pour nous, c'est celui qui a voulu nous créer et créer le monde. Ça, vous alliez dire. Fallait le dire. C'est celui qui a... Non, c'est bien important, pas dire celui qui a créé. C'est celui qui a voulu créer le monde et nous créer nous. C'est ça qu'il est pour nous. On ne sait pas qui il est vraiment. Ce qu'on sait, c'est qu'à un moment, dans sa vie à lui, qui est éternelle, il a voulu créer le monde et en créant le monde, il a voulu nous créer nous. Ça on sait. Et on sait aussi qu'il n'a pas fait Stam juste pour créer. Il l'a fait parce qu'il voulait nous donner
enfin, venez donner à sa création, c'est-à-dire à nous, du bien. Oui, il voulait partager le bien qu'il était le seul à connaître, le meilleur, l'extraordinaire, ce que je voulais, enfin, je ne sais pas comment on peut définir ça, qu'il était le seul à connaître, il voulait le partager avec nous. Donc il a dit, maintenant moi je suis tout seul, mais j'aimerais bien qu'il y ait des autres qui soient capables de profiter de ce qui est extraordinaire. Il a dit, je vais créer un monde et je vais créer un peuple qui va, par tout le processus de la, qui va passer à travers, va pouvoir à la fin pouvoir profiter de la Shrina, de la présence divine, du bien qui représente Dieu. Ça, c'est ce que Dieu est pour nous. C'est-à-dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, si vous me suivez bien, Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas c'est qui, c'est une entité, c'est quelque chose, mais ce qu'on sait, c'est qu'il a une volonté. Ça, on sait. Et cette volonté, c'est pour ça que, par exemple, Rav Dessler, il rapporte que la Torah, en vérité, c'est une somme de volonté. C'est quoi la Torah? C'est l'expression de la volonté de Dieu. Hachem, il te dit, je veux que tu manges kasher pendant l'année, je veux que tu fasses Pessah, je veux que tu reçoives la Torah, je veux que tu comptes le Homer, je veux. C'est des sommes de volonté. Ouais, les mitzvot, c'est des conseils, des sommes de volonté. C'est-à-dire, c'est une somme de volonté. Donc, finalement, Hachem, il est en train d'exprimer qu'est-ce qu'il veut. Et l'avantage ou la bonté ou la bonne chose avec ça, c'est qu'il veut notre bien. Ça, c'est ce qu'on est sûr que c'est vrai. Il veut notre bien. Mais notre bien, pas tout de suite. Notre bien absolu, c'est-à-dire qu'on profite pour l'éternité. Parce que des fois, tout de suite, ça peut passer comme un père avec son enfant. Un jour, il va le punir. Et son fils, il va croire qu'il ne l'aime pas, ou sur le moment, il va lui dire « mais mon père, il ne m'aime pas ». Mais après ça, quand il va grandir et qu'il va se rappeler, il va comprendre qu'en vérité, c'était pour son bien. Oui, vas-y. Pourquoi il a créé le livre? Et pourquoi il a créé l'homme, carrément? Alors, venez, on prend une question à la fois. Pourquoi il a créé le libre arbitre? Alors, c'est expliqué dans Chazal que s'il n'avait pas créé le libre, si le monde n'avait pas de libre arbitre, il n'y aurait aucun, exactement. L'homme n'aurait aucun mérite. C'est-à-dire que si maintenant on était des anges, parce que les anges n'ont pas de libre arbitre, eh ben les anges ils nous jalousent. Pourquoi ils nous jalousent? Parce que nous, quand on fait du bien, on l'a choisi. Et on s'est battu contre le mal pour pouvoir faire le bien. Donc on a du mérite. Donc on a une récompense qui vient avec le mérite. Que l'ange, quand il fait ce que Hachem veut, il n'a pas le choix. C'est tout ce qu'il peut faire. Il a été créé pour ça et il a un seul logiciel dans sa tête, c'est Hachem il a dit ça, je suis obligé de faire ça. Il a une mission. Voilà, et c'est ça. Et à chaque fois il a une mission et après ça elle peut changer, comme on a vu avec Avraham et Eliezer, etc. Mais en tout cas, il a une mission à la fois. Et un ange, il n'a pas le choix. Hachem il lui a dit fais ça, il n'a pas d'autre logiciel. Mais nous, Hachem il nous a mis deux logiciels, même plusieurs, des milliers de logiciels, capable de nuancer dans les façons de ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est pour le libre arbitre. Maintenant, pourquoi il a créé l'homme? J'ai expliqué. Enfin, je ne sais pas si Rabbi Nathan, il explique. Que Hachem, il voulait partager. Comme nous, qu'on veut avoir des enfants. C'est quoi la folie d'avoir des enfants, sérieusement? Il faut être fou pour avoir des enfants. Tu vas perdre tes nuits, tu vas perdre tes journées, tu vas t'inquiéter toute ta vie, ils ne vont pas t'écouter. Si tu te dis ça, fais la liste, il n'y a aucune raison d'avoir des enfants. Mais ça t'apporte un bonheur extraordinaire que personne d'autre peut t'apporter. Pourquoi? Parce que tu as l'impression d'avoir donné quelque chose et de recevoir en retour, même si lui ne te donne pas, mais tu reçois que tu as des enfants. Il y a quelque chose que tu laisses. D'ailleurs, le Zohar, il dit, parce que c'était l'île de Rabbi Shimon, alors dans le bus pour aller chez Rabbi Shimon, je lisais le Zohar. Et le Zohar, il rapporte une histoire. Il dit qu'il y avait un homme que Rabbi Shimon, il a rencontré dans le Geinam. Il était au Geinam, enfin, Rabbi Shimon était encore vivant, mais son âme est montée au Geinam. Et elle a rencontré un homme qui était en train de se faire battre. Alors il a demandé à l'ange qui le battait d'arrêter, et il lui a dit « qu'est-ce que pourquoi tu es là ?» Alors il a dit « ne demande pas, toute ma vie j'ai fait que des bêtises. » Il lui dit « quoi, mais à ce point-là » Il dit « ouais, regarde celui-là, à chaque fois qu'il tape, il tape jusqu'à qu'il casse le bâton, quand il casse le bâton, le bâton il se recrée, il recommence à taper. » Alors il lui dit « mais je comprends pas, tu n'as pas laissé d'enfant dans ce monde ?» Alors il lui dit « ne demande pas, j'ai eu un enfant, mais la vérité je ne sais même pas c'est qui. » Et je sais que j'ai eu un enfant parce que sa mère elle me l'a dit, mais je ne l'ai jamais éduqué, je ne l'ai jamais vu, j'ai laissé comme ça, je n'ai pas fait attention à lui. Et je suis parti de ce monde comme si je n'avais pas eu d'enfant. Alors il dit, mais quoi, tu as un signe, tu sais c'est qui cet enfant-là? Alors dans le Zohar, toute l'histoire elle est rapportée. Alors il lui dit, oui,
il habite. Si on te dit, si tu vas dans telle ville et tu lui demandes l'enfant qui était abandonné à côté de l'église, à telle date, et on te dira, tu vas le retrouver. Alors Rabbi Shimon, il se réveille, enfin il revient dans ce monde, et il se dit qu'il n'a pas vu ça pour rien, donc il se renseigne sur la ville, etc., sur l'enfant. Et il se renseigne, et finalement il va dans cette ville-là, et il retrouve l'enfant. Et l'enfant, je pense à cette époque-là, 18-20 ans, l'histoire ne le dit pas, mais il a l'air jeune dans l'histoire. En tout cas, il est jeune. Et où il le retrouve avec les voyous du quartier, quoi. Il n'a pas eu de parents, il est orphelin, il a fait un peu n'importe quoi de sa vie. Il se retrouve dans le voyou du quartier. Alors Rabbi Shimon, il s'approche de lui. Il dit, moi, tu veux manger ce soir? Il lui dit, oui. Il dit, viens manger chez moi. Alors il le ramène chez lui, il lui donne à manger. Après, il lui dit, tu veux rester? Il lui dit, oui. Alors il lui fait dormir chez lui. Après, il lui dit, tu veux étudier la Torah? Il lui dit, oui. Alors il lui paye un melamed. Après, une fois qu'il a étudié la Torah, il lui dit, maintenant, tu veux continuer à étudier? Il lui dit, oui. Alors il le met dans une yeshiva. Et après, la yeshiva, il passe au kollel. Après, au kollel, il devient rabbin. Et après, rabbin, au bout de 10 ans, il devient rabbin. Il s'occupe d'une ville. Il se devient un tamid chacham, quelqu'un de très grand. Au bout de 10 ans, l'histoire, le Zohar, il rapporte que l'homme qu'il a vu il y a 10 ans dans le rêve, au Geinam, il revient avec une couronne sur la tête, tout blanc, tout extraordinaire. Il lui dit, mais moi, je te connais. Rabbi Shimon, il dit à l'homme, mais moi, je te connais. Il lui dit, oui. Il lui dit, je suis venu te dire merci. Combien Asheré, il lui dit, heureux soit le monde qui a Rabbi Shimon dans son monde. C'est-à-dire, heureux soit le peuple qui a Rabbi Shimon dans son peuple. Il lui dit merci. Alors, il lui dit merci. Il lui dit, pourquoi tu dis ça? Il lui dit, parce que grâce à toi, je suis passé du pire du Gehinam à une place au Gan Eden. Il lui dit, comment? Il lui dit, bah, quand tu as pris mon fils et que tu lui as commencé à lui apprendre la Torah, déjà on a arrêté de me frapper. Ensuite, quand il est rentré à l'Yeshiva, on m'a sorti du Gehinam. Ensuite, quand il est rentré au Kollel, enfin, quand il s'est marié, il est rentré au Kollel, alors on m'a permis d'avoir ma place au Gan Eden. Et quand il est devenu Rav, alors à ce moment-là, il dit le Zohar, on m'a permis de manger avec les tzadikim au Gan Eden. Et maintenant qu'il est Rav de Kehila et qu'il enseigne la Torah, alors maintenant, moi j'ai ma place attitrée au Gan Eden, grâce à toi. Il dit, heureux celui qui connaît Rabbi Shimon. Ça, c'est le Zohar qui dit ça. C'est pour vous dire quoi? Que même si c'est complètement illogique d'avoir des enfants, c'est vrai que cette histoire-là, elle vaut la peine. Juste de savoir que tu peux laisser derrière toi, alors ça n'est pas obligé qu'ils deviennent tous des rabbinim et des tamid chachamim, même si ce serait bien, mais qu'ils soient déjà à la bonne voie aujourd'hui. Et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir d'enfants, alors comment ça? Alors, c'est très compliqué. Alors, premièrement, c'est une réponse qui est très compliquée. Premièrement, il y a différentes formes d'enfants. Alors, par exemple, le rabbi Konovich, il n'avait pas d'enfants. Ouais. Mais c'est rapporté dans un de ses mamars, et pas seulement lui, d'autres mamarim, que tous les élèves d'un homme sont ses enfants, et que toutes les mitzvot d'un homme sont aussi ses enfants. C'est-à-dire qu'il y a des mitzvot, par exemple, quelqu'un, il peut sauver un orphelin. C'est écrit, celui qui sauve un homme, il sauve le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui, par exemple, maintenant a sauvé un orphelin, cet orphelin, il va avoir une femme, il va avoir des enfants, il va étudier la Torah, il va faire des mitzvot, tout, c'est comme si c'était à lui. Parce que lui, il aurait dû mourir, il a été sauvé par cette personne-là qui n'avait rien à voir avec lui. Grâce à ça, il a avec lui toute sa descendance, c'est comme si c'était à lui. Quelqu'un qui fait faire tchouva à quelqu'un d'autre. Par exemple, il y a des rabbinis au Hachem aujourd'hui qui font faire tchouva à beaucoup de monde. Chaque personne qui fait tchouva, c'est comme si elle renaît. Ouais. Et donc à ce moment-là, c'est comme si c'était son propre enfant. C'est écrit par exemple sur Abraham et Sarah, lorsqu'ils ont fait les convertis, c'est écrit à propos des convertis, c'est pas écrit des convertis, c'est écrit les âmes qu'ils ont créées. Le Rashi là-bas, il explique, c'est quoi les âmes qu'ils ont créées? Là-bas, il explique, c'est ceux qu'ils ont convertis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle appelle ça que tu as créé une nouvelle âme. Parce que la personne, elle était pas dans le chemin de la Torah. Maintenant qu'elle est dans le chemin de la Torah, c'est complètement une autre personne. Et donc, c'est comme si tu lui avais donné naissance. Donc, il y a plusieurs façons d'avoir des enfants. Mais bon, le plus simple, entre guillemets, c'est d'avoir un enfant. Mais ça ne veut pas dire que des fois, tu as des enfants, qui ne sont pas dans le DRR, et des gens que tu vas faire tu vois, ou des gens que tu as intervenu positivement dans leur vie, qu'eux, ils vont pouvoir être plus bénéfiques pour toi, entre guillemets. Donc,
Donc ça, c'était la réponse, je ne me rappelle plus quelle question. Donc toute l'idée, elle est quoi ? Qu'on comprend que de la même façon qu'Hachem, il a, et que nous, on a ce besoin inné d'avoir des enfants parce que c'est une relation qu'on veut donner, que c'est en nous, alors puis LF, c'est exponentiel chez Hachem, que toute sa volonté, c'était de créer un peuple qui pouvait recevoir de lui. D'ailleurs le Zohar, il dit aussi que quand, même Rabbi Shimon, Rabbi Nachman, il rapporte dans l'écouté Moran, que quand Hachem, il a créé le monde, comment il a créé le monde ? Il a vu le peuple d'Israël, c'est-à-dire il s'est dit, il a vu qu'est-ce qu'il voulait, comment dire ça ? Il a vu la finalité, voilà, la finalité, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il pouvait recevoir, et ensuite il a créé tout le monde, les arbres, tout ce que vous connaissez dans le monde, ça a été créé en fonction de ça, par rapport à ça, c'est-à-dire il a dit, moi je veux donner, ah je vais créer quelqu'un qui est capable de donner, ça s'appelle Israël, le peuple d'Israël, il est capable de recevoir ce que moi je suis capable de donner. Et pour qu'il soit capable de recevoir, il faut qu'il passe par ça comme étape. Il a créé tous les autres peuples, il a créé tous les autres pays, il a créé toutes les autres artsotes, tous les paysages que vous connaissez, juste pour arriver à sa finalité que lui, il s'était vu au début être capable de donner. Ouais ? Comme ça, il explique le Zohar Kadosh et même Rabbi Nachman dans l'écouté moral. Maintenant, quelqu'un qui veut recevoir de Dieu. Ouais, maintenant on a dit Hachem il veut donner. Maintenant le problème il est que Hachem il veut donner, mais comme elle a dit, il y a le libre arbitre, donc là, il ne peut pas donner à quelqu'un qui ne veut pas recevoir. C'est-à-dire que si Hachem il veut te donner $1 million, mais toi, ouais. Tu ne veux pas recevoir $1 million, pas toi, mais quelqu'un il ne veut pas recevoir $1 million, il est bête, je ne sais pas, c'est un imbécile. Toi tu veux $5 million, mais amen. Combien ? 50 millions, tu as raison, il ne faut pas se limiter. Toi tu veux amen. Amen, amen, tu as raison, amen. 50 millions, ça fait 5 millions de tzedaka. Voilà, le maaser. Qui mieux que toi ? Alors, il faut deux. En dollars, tu as dit, hein, parce qu'il faut préciser. Dans toutes les deux demandes, il faut préciser. Ça va. Alors, en tout cas, quelqu'un, il veut lui donner $50 millions. Et lui, il ne veut pas. Il est, je sais pas. Il a dit, non, moi, je veux rester pauvre. Il y a des gens comme ça, ils sont un peu à l'ouest. Alors, il dit, moi, je veux rester pauvre. Il dit, ok, ben, je peux pas te donner, tu veux pas. Il dit, c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut donner. Non, l'homme, il veut pas recevoir. Ça reste son libre arbitre. C'est lui qui décide ce qu'il veut faire de sa vie. Donc il dit, maintenant, quelqu'un qui veut recevoir. Il y a des cadeaux. Hein ? Alors voilà. Maintenant, quelqu'un qui veut recevoir, c'est pas forcément qu'il va recevoir les 50 millions. Maintenant, je veux recevoir, moi, les 50 millions. Est-ce qu'on va lui donner ? Alors, hein ? Alors, je sais pas s'il faut le mériter. Il faut le demander, mais il y a des façons de le mériter aussi. Alors, dans l'écouté Moharan 73, Rabbi Nachman, c'est ça que je voulais faire ce soir, donc on a fait juste une petite introduction jusqu'à maintenant. Il explique comment ça marche qu'un homme, il peut recevoir tout le bien que Hachem veut lui donner. Alors, tout le processus, c'est quoi ? C'est que maintenant, je suis dans un état où je ne peux pas recevoir, et je voudrais être dans un état où je veux recevoir. C'est-à-dire, je suis à l'étape A, et je vais arriver à l'étape B. Ok ? Ça, c'est assez simple à comprendre. Comme on a dit au début que Rabbi Nathan explique qu'on passe de l'étape A au moment où on est animal, au moment de Pessah, jusqu'à l'étape B au moment où on devient un homme, au moment de Shavuot. Donc je vais passer de l'étape A à l'étape B. Toute transformation d'état, ouais, ça s'appelle dans la Torah un retour, la tshuva. Une tshuva, c'est ça la transformation d'état. Je veux passer de l'étape A à l'étape B, il faut faire tshuva. C'est-à-dire qu'il faut que je sois capable de passer de l'homme A, qui n'était pas capable de recevoir, à l'homme B, qui est capable de recevoir, en retournant, en se rapprochant de ma source, qui est Akadosh Baruch, qui est Hashem Yitbarach. Donc, plus que je me rapproche, je suis capable de plus recevoir. Et plus je me rapproche, je reçois encore plus. Alors, ce n'est pas forcément 50 millions de dollars, mais je reçois du bien, c'est sûr. Ça, c'est une garantie. Après, ça peut être du bien dans mes enfants, ça peut être du bien dans mon Shalom Bayit, ça peut être du bien juste parce que je m'énerve plus, ça peut être du bien parce que j'apprécie le café du matin. Il y a des gens, ils ont des milliards de dollars, le café, ils n'arrivent pas à l'apprécier, tellement ils sont stressés et angoissés par tout ce qu'ils ont à faire dans la journée. Ouais ? Donc ça peut être plein de façons de recevoir le bien, mais c'est sûr que tu vas recevoir du bien. Donc la tshuva, c'est un concept que les gens ils disent, ouais, il faut faire tshuva. Mais la tshuva, le vrai terme de tshuva, la vraie définition, c'est une définition de retour. C'est-à-dire quoi ? C'est quoi un retour ? C'est qu'en réalité, tu retournes à ta source. Ça veut dire que tu es maintenant un individu lambda,
qu'on va dire individu A. Et cet individu A, il est comme ça parce qu'il est en exil depuis 2000 ans, parce qu'il a fait des guilgoulim, parce qu'il a fait des fautes, parce qu'il n'est il est pas capable de penser correctement. Et maintenant, cette personne-là, elle a le choix de faire son retour à la personne B. La personne B à la personne C, et la personne C à la personne D, jusqu'à arriver au top du top, qui est Monsieur Z, qui est le plus proche de Dieu, qu'il est capable de faire. Donc c'est des étapes de retour, hein? Ça veut dire quoi? Ils sont nés déjà. Déjà quoi? Ils sont nés déjà religieux. Non, ça veut dire religieux, ça veut rien dire. Religieux, ça veut rien dire. Ils font toutes les mitzvot. Ils n'ont pas besoin. Il y a personne dans ce monde qui fait toutes les mitzvot parfaitement. Et les grands rabbins. Même les grands rabbins. Même Rabbi Meir. Même Rabbi Meir, il a fait tchouva. Même Rabbi Akiva, il a fait tchouva. Même Rabbi Shimon, il a fait tchouva. Tu vois, Rabbi Shimon, voilà, Rabbi Shimon, c'est là. Rabbi Shimon s'écrit au bout de 11 ans. Il était 11 ans, ça veut dire qu'il était déjà l'élève de Rabbi Akiva. Il était déjà Talmid Chacham Matsou. Il était déjà quelqu'un de très grand. 11 ans dans la grotte. 11 ans, hein. Attendez, 11 ans dans la grotte. À ne pas manger, enfin manger du karoub et de l'eau. À ne pas s'habiller, il était dans la terre avec son fils. À étudier la Torah toute la journée. Il sort, il voit un homme qui est en train de travailler. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il le brûle avec ses yeux. C'est-à-dire, il lui dit, mais tu fais n'importe quoi. Et Hachem, il s'énerve contre lui, il dit, tu es sorti pour me brûler mon monde, retourne. Ça veut dire, genre, tu n'as pas fait assez de tchouva, retourne, que tu changes, que tu fasses un peu plus de tchouva sur ta vision des autres, que tu réalises qu'en réalité, l'autre, il est bien et que combien il est extraordinaire. Et dans un an, enfin, il n'a pas dit dans un an, mais au bout d'un an, il revient. Et à ce moment-là, il voit, c'est la Gemara dans Maseret Shabbat, elle rapporte, là, ce gars avec ce vieux monsieur avec ses deux bouquets de myrte, il y en a qui disent c'est Léon Avi, il était avec ses deux bouquets de myrte, il lui dit pourquoi tu as deux bouquets de myrte, il lui dit c'est Shabbat ce soir, il lui dit ok ça change c'est Shabbat ce soir, il lui dit ben on l'honneur de Shabbat, il lui dit mais ok bah, achète un, pourquoi tu achètes deux, il lui dit parce que c'est écrit Shamor Vezachor, c'est écrit il faut garder et il faut respecter, alors j'ai acheté deux parce qu'il y a deux paroles dans la Torah, il dit quoi, parce qu'il y a deux paroles tu as acheté deux bouquets, il lui dit oui, il dit wow, extraordinaire, et là il change complètement sa vision sur l'homme, il réalise qu'un homme il peut acheter. Et ça, il peut acheter son lamaba en une seule mitzvah, combien les juifs ils aiment la Torah, combien ils aiment les mitzvot. Et à partir de là, il voit que le bien chez les gens. Donc tu vois bien que Rabbi Shimon, on n'est même pas de prononcer son nom, on pourrait pas. Après, avec tous les niveaux qu'il avait, il n'avait pas encore ce niveau-là de voir le bien chez tout le monde. Il était capable de voir le bien, mais pas chez tout le monde, même le rachat des rachats. Donc tu vois que même lui, il fallait encore qu'il fasse, vous voyez que même lui, il fallait qu'il fasse tchouva aussi. Donc c'est pas, ça n'existe pas que quelqu'un vient dans ce monde. Si il n'a pas besoin de faire tchouva, il n'est pas dans ce monde. Parce que ce monde, il ne marche qu'avec la tchouva. Ce monde, c'est un monde de tikkun, c'est un monde de réparation. Si quelqu'un il a fini son tikkun, il est pas là, il est déjà dans sa place au Gan Eden. S'il est là, même le plus grand des tzadiks, c'est parce qu'il est venu réparer quelque chose. Donc dans ce principe-là, si vous comprenez ça, donc il y a un retour à faire. Maintenant, il y en a qui sont très 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 loin, il y en a qui sont un peu plus proches de la source, mais tout le monde a un retour à faire. Alors il dit Rabbi Nachman, Misherotze li skot li tshuva, celui qui veut faire son retour, yeragil ba amirat teilim, qui soit habitué à lire les teilim, qui amirat teilim isuga li tshuva, parce qu'une segula pour faire tshuva, c'est lire les teilim. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, il sait même pas qu'il est juif, ou pas qu'il sait pas qu'il est juif, mais on va dire il est extrêmement loin. Il est extrêmement loin du judaïsme, il a été éduqué dans une famille non orthodoxe, non religieuse, non shabbat, non kasher, non ce que tu veux. Ouais. Il dit Rabbi Nachman, il ne sait même pas qui est Dieu, il ne sait même pas c'est quoi la Torah, il ne sait pas ce que tu veux. Donne-lui un livre de Tehilim. S'il commence à être habitué à lire les Tehilim, vous allez voir au bout de quelques mois ou quelques années, vous allez le retrouver au top du top du top. Pourquoi? Parce que les Tehilim, c'est la plus grande ségoula pour faire tchouva. Pourquoi? Alors il va expliquer dans tout ça le sujet du Likutei Mohran. Il va expliquer que les Tehilim, ça vient de David Ameler. Et que d'ailleurs c'est là David Ameler le jour de Shavuot. Et que David Ameler c'est le prototype de la tchouva. Que Hachem il a fait exprès de faire passer toutes les épreuves du monde à David Ameler pour qu'il puisse écrire dans cet Tehilim toute la force qu'il a eue pour rester attaché à Hachem malgré toutes les difficultés qu'il a eues et pour revenir petit à petit vers Akadosh Baruch Hu à chaque fois. Et David Ameler c'est le prototype de la tchouva. Si vous connaissez un peu l'histoire de David Ameler, c'est une histoire qui est extraordinaire. David Ameler, c'était quelqu'un qui était renié de tous. Très dur. D'abord, il était renié de tous. Ça veut dire au début, son père ne lui parlait même pas. Parce qu'il croyait que c'était un mamzer. Il pensait que ce n'était pas lui le père.
il a vu roux comme ça. Il a dit, moi, en plus c'était au moment où je me suis disputé avec sa mère et je ne suis pas allé avec elle. Alors comment ça se fait que c'est lui qui est descendu, c'est pas moi le père. Il n'a pas voulu confronter sa femme, mais il a, parce qu'il n'y avait plus les eaux de la sota à ce moment-là. Mais il a dit, c'est pas moi le père. Donc personne ne lui parlait. Les grands frères, ils ne le regardaient pas. Le père, il ne le regardait pas. Et la mère, c'est la seule qui savait qu'elle s'était déguisée pour aller avec son mari et qu'elle avait eu cet enfant-là, alors que lui, il ne savait même pas. Et donc, toute l'idée, elle est quoi? Que lui, déjà dans sa naissance, il y a tout un quiproquo. Après ça, toute sa jeunesse, c'est quoi? Il était, puisque personne ne l'acceptait, personne ne voulait parler avec lui, il était tout seul dans son coin, en train de s'occuper des moutons. Et en train de parler avec Akadosh Baruch Hu, découvrir ce qui est Hachem. Il parle avec Hachem. Mais des choses belles, des choses simples, rien d'extraordinaire. Et en train de garder les moutons, assis comme ça dans les bergers, en train de parler, de lever la tête au ciel et de parler avec Dieu. Ça, c'est David Ameler. Il arrive au moment où Shmuel, il vient pour le oindre. Et donc, le père, il lui dit, voilà, c'est un de tes fils. Il ne sait pas qui encore. Il dit, c'est un de tes fils qui va devenir roi. Après Shaul, parce que Shaul, Hachem, il a décidé que c'est fini pour lui. Alors il lui dit, ok, il lui prend le Bechor, non, le deuxième, non, le troisième, non, le quatrième, non, le ça. Il dit, c'est pas possible. Il dit, mais quoi, tu n'as que six enfants? Il dit, non, il y en a un septième. Et lui, je suis même pas sûr que c'est le mien. Il lui dit que c'est pas grave, amène-le. Il lui dit, amène-le. Arrive David Ameler. Il lui dit, c'est même pas Shmuel qui l'a moins. Lui, il a sauté sur David. Lui, elle est sortie elle-même du Khan, elle a sauté sur David. Et David, il est devenu roi à partir de ce moment-là, même si ça n'a pas été clair tout de suite. Et toute sa vie, c'est Achitophel, il va lui faire honte. Et son fils, il va vouloir le tuer. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu, David? On l'a traité de mamzer, on l'a traité de tous les noms, on l'a poursuivi. Alors, encore une fois, si vous avez quelqu'un qui est vraiment mamzer, ou quelqu'un qui est vraiment pas méritant, ou quelqu'un qu'il a volé, il a triché, tu le poursuis. Bon, le gars, il dit, de toute façon, je suis un voleur, je suis un tricheur, je suis un menteur. C'est normal, on poursuit. C'est logique, quoi. Bon, c'est pas naïf, mais c'est logique. Mais David, c'est tout le contraire. David, il a rien fait. Même sur l'histoire de Bathsheba, la Gemara dit, celui qui dit que David, il a fauté, il se trompe. Il se trompe. Ça veut dire qu'il a même Bathsheba, c'est juste parce que ça avait l'air que c'était une faute. C'est pas une faute, mais ça avait l'air que c'était une faute. C'est pour ça qu'on considère que. Mais sinon, il a rien fait de mal de sa vie. Et toute sa vie, on l'a traité comme un rachat. Pourquoi? Rabbeinu lui dit, parce qu'on voulait qu'il sorte de lui, il était illim. Et que grâce à lui, même les Rechaim, qui sont vraiment des Rechaim, ils puissent faire tshuva. Que lui, il n'était pas un rachat, mais il était traité comme un rachat pour qu'il réagisse comme quelqu'un qui aurait fait des fautes et qu'il puisse nous sortir les Tehillim. On dit qu'il yesh nun sharet tshuva. Alors pourquoi est-ce que maintenant qu'il a dit cette phrase extraordinaire que les Tehillim, c'est mesugal, que c'est une segula pour faire tshuva, maintenant il va expliquer comment ça marche. Comment ça marche techniquement. Il dit qu'il yesh, ça va, ça vous intéresse quand maintenant c'est... Ça va, vous n'en dormez pas trop. Sinon, donnez-leur boire. Qui est Shnun Sharet Shuva? Tiens, d'ailleurs, demande-le. Qui est Shnun Sharet Shuva? Il y a 50, dans le ciel, dit Rabbi Nachman, il y a 50 portes de Tshuva. Il y a 50 portes de retour. Ou même Tet Sharim, Yachol Koladam, Nirnos, Baem, Ulasigam. Et 49 de ces 50 portes, n'importe qui peut rentrer. C'est-à-dire que tout le monde peut atteindre, si, avec le travail qu'il faut, évidemment. Mais un homme, il aurait le droit d'atteindre 49 de ces 50 portes. D'ailleurs, il va parler ici aussi du Homer, que c'est 49. Et là, il y a une 50e porte, ce qui est Shavuot. Mais Shavuot, c'est plus une porte qui nous est réservée à nous, c'est la porte d'Hachem. C'est ça qu'il va expliquer ici. Excusez-moi. Qui est Shnun Sharet Shuva. Il y a donc 50 portes de retour. Ou même Tet Sharim Yachol Koladam Nirnos Bahem ou la Sigam. Et 49. Un homme, il peut atteindre. Mais la 50e porte, ça, c'est pas donné à Hachem, c'est pas donné à l'homme, c'est la porte d'Hachem. C'est-à-dire que Hachem, qu'est-ce qui, la Torah, elle dit, tu peux pas juger ton prochain tant que tu n'es pas trouvé à sa place. Okay? Comme ça dit la Torah. C'est pour ça que la vérité, personne ne peut juger personne. Parce qu'on n'est pas à la place de personne. Mais, on va dire que donc le seul qui dit la Torah qui peut juger, c'est Hachem Yitbarach. Mais comment Hachem il peut dire je vais juger alors que il n'est pas dans les mêmes catégories que nous? On est des hommes, on faute, on truc, on machin, on fait tchouva. Mais alors Hachem, comment ça marche? Alors il dit, Hachem il a fait exprès de faire
entre guillemets, une erreur dans la création, pour pouvoir lui aussi faire tchouva. Et comme ça, il se met à notre niveau à nous. Vous imaginez? C'est incroyable comment Hachem il a pensé les choses. Et ça, c'est la 50e porte. Il dit que vous savez, le Rosh Chodesh, à l'époque du Ben Amikdash, à Rosh Chodesh, Hachem il demandait d'amener un korban pour lui. C'est-à-dire que c'est comme si lui il l'a amené. Alors, c'est quoi ce korban? C'est pour dire, pour demander pardon au monde d'avoir créé le mal. Parce que, sauf, s'il n'y avait pas de mal, on ne pourrait pas le faire. Même si on a un libre arbitre, mais s'il n'y en avait pas. S'il n'y avait que du bien, on ne pourrait pas faire de mal. Donc Hachem, il a dû créer le mal pour que l'homme ait un libre arbitre, pour qu'il puisse le faire. Mais sur ça, il fait tchouva tous les Rosh Chodesh. Il amène un korban, à l'époque, il demandait d'amener un korban pour Hachem, pour lui. Et ça, c'est la tchouva d'Hachem. Donc maintenant, il y a 49 portes, c'est notre tchouva à nous, chacun en fonction de où il est, comment il peut arriver à cette tchouva-là. Et à la 50e porte, il y a la tchouva d'Hachem. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit ici, parce que même chez Hachem, il y a la tchouva. Comme c'est écrit dans Malachi Gimel, Shuvu Elai va Shuva Alechem. Shuvu, c'est donc la chambre de tchouva, retournez vers moi, et moi je retournerai vers vous. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous on dit il faut faire tchouva. Alors en réalité, c'est pas comme ça que ça marche. En réalité, quand un homme il fait tchouva, d'abord, premièrement, il faut qu'il veuille faire tchouva. Ensuite, il faut qu'il soit accepté. Une fois qu'il est accepté, il faut qu'il trouve la porte. Une fois qu'il trouve la porte de sa tchouva et qu'elle est acceptée, que la porte elle est ouverte, etc. Alors Hachem il dit ok, c'est bon, maintenant laissez-le rentrer. Et maintenant Hachem il descend de son trône et il s'approche de la personne et lui il revient vers la personne. Donc il y a un réveil d'en bas que l'homme il fait sa tchouva, chacun à son niveau, chacun à son rythme, chacun où il est. Et une fois que, à chaque fois qu'il monte à un degré, qu'il devient A à B, qu'est-ce qui fait que la personne devient B? C'est quoi? Alors comment ça marche? C'est que toi tu changes parce que tu as fait tchouva. Mais c'est ta volonté de faire tchouva. Mais le fait que tu deviennes B, et Rabbi Nachman explique que c'est Hachem qui change, qui te nettoie. C'est comme maintenant, je sais pas comment on dit, un enfant, il manque de respect à sa mère, ou à sa mère. Alors, il lui fait mal au cœur, ouais. Donc maintenant, il lui fait mal au cœur. Maintenant, l'enfant, il vient, il dit pardon, mais sa mère, elle a toujours mal au cœur. Il dit pardon, sa mère, elle a toujours mal au cœur. Sa mère, 10 fois, 15 fois, pardon, maman, je suis désolé, pardon. Ok, au bout d'un moment, la mère, elle a pardonné. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Lui, grâce à son pardon et qu'il a demandé pardon, il s'est mieux comporté pendant les deux dernières semaines parce qu'il voulait le pardon de sa mère et il lui a offert un cadeau, il lui a dit bonjour le matin, et il lui a dit au revoir le soir, ouais, il a dit bonne nuit. Il s'est amélioré pendant deux semaines. Donc, pendant deux semaines, il s'est travaillé. Donc, maintenant, il n'est plus le gars d'il y a deux semaines. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que l'individu, c'est de son côté, il a fait son travail. Mais pour vraiment être agréé, il faut que la mère, elle dise « Ok, c'est bon, je t'accepte, c'est bon. » Alors, il dit la même chose avec Hachem. Toi, tu fais ton travail, mais c'est quand Hachem, il dit « C'est bon », et que lui, il revient vers toi, c'est-à-dire qu'il recrée cette relation que la mère, elle va recréer à partir de maintenant parce qu'elle a pardonné son fils avec son fils. La même chose avec Hachem, que lui, il va recréer une relation avec toi. Maintenant, ce qui est beau, c'est qu'il ne va plus recréer une relation avec l'enfant d'il y a deux semaines. Il va recréer une relation avec le nouvel enfant. Donc maintenant, la relation, c'est plus la même. Est-ce que je vais donner, c'est plus le même. Et le comportement que je vais avoir avec toi, c'est pas le même parce que t'es pas le même gars. Maintenant, si je me comporte pas avec un enfant de 5 ans qui sait pas le droit de sa gauche qu'avec un enfant de 18 ans qui est déjà responsable, qui sait qu'est-ce qu'il fait, qui a déjà peut-être commencé déjà à travailler, qui a commencé dans la vie, tu es peut-être même marié après ça, etc. Tu te comportes pas de la même façon avec un enfant de 18 ans, avec un homme de 34 ans qui est marié, qui a des enfants, des responsabilités parce que c'est pas la même personne en face de toi. Alors il dit la même chose avec Hachem. Toi, tu fais tchouva, tu passes de cette étape-là d'enfant de 5 ans à celui de 18, de 18 à 34, etc. Et Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il se comporte différemment avec toi. Et il te donne en fonction différemment. De la même façon que tu ne vas pas donner 2 millions de dollars à un enfant de 5 ans. Tu sais qu'il va, il va aller à la macolette, il va acheter 2 millions de dollars à un bonbon. Ouais, il va dire demain un bonbon, tiens 2 millions de dollars. Il n'a pas la notion d'argent, mais quelqu'un qui a la notion, qui sait ce qu'il faut faire avec, et qui sait comment se comporter avec, et qui connaît la valeur de l'argent, là tu peux commencer à discuter avec lui d'argent. Ouais, c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Il dit ici, ou même tête chaharim, yachol kol adam l'ichnos ba'em ou la sigam, archara hamishim ou bechinal, atchouva shashem barab alasmo ke vachol, shuvu elai, vashuvu alechem. Ve'elu ha même tête chaharim tchouva, hem bechinat même tête otiot shiesh bishmot, shene asar shifteya. Il dit maintenant qu'on a compris
que notre seule chance, c'est d'atteindre une des 49 portes. Il dit, comment on sait comment atteindre les 49 portes? Alors, il dit comme ça. Il dit, quand en vérité, les 49 portes correspondent aux 49 lettres qui composent les... Excusez-moi, les 12 tribus, ouais. Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, Zevulon, Dan, Naphtali, Gad, Asher, ouais. Toutes les 12 tribus qu'il y a dans le peuple d'Israël. Si vous prenez toutes les... Vous les mettez toutes les lettres une à côté de l'autre, ça fait 49 lettres. Chaque lettre, il dit, c'est une porte de Tchouma. Pourquoi chaque lettre, c'est une porte de Tchouma? D'ailleurs, dans Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevo Marotu Lamaret, c'est aussi 49 lettres. C'est aussi les 49 portes de Tchouma. En vérité, chaque âme, elle a un Shoresh dans une tribu. Nous, on appartient chacun dans une tribu. Ben, pareil, ils appartiennent à Yehuda ou Lévi, ou aujourd'hui Yehuda, Lévi, Binyamin. Les autres, on ne sait pas vraiment où elles sont. Mais en tout cas, chacun elle appartient à une tribu. Alors il dit que la personne, quand elle veut faire Tchouma, quand elle veut faire un retour, c'est comme tu dois retourner vers toi. Donc il faut que tu saches d'abord qui c'est toi. C'est comme quelqu'un qui dit je veux faire Tchouma, mais je ne sais même pas qui je suis. Quelqu'un, il ne sait pas qu'il est juif. Il peut vouloir revenir jusqu'à demain, il ne sait pas. Donc il dit la même chose. Quelqu'un, il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas c'est qui, de quelle tribu il vient, de quel chorège, de quel. Même, je ne parle pas au niveau même. Je parle même spirituellement. On a des âmes qui sont connectées à des choses qu'on ne comprend pas. Et donc là, si tu ne sais pas ça, comment tu fais? Alors il dit, ça c'est la ségoula des Tehillim. Les Tehillim, quand tu lis les Tehillim, ça fait... Toi tu veux faire tchouva, tu t'améliores, tu fais ton travail de ton côté. Et quand tu lis les Tehillim, alors c'est, dans les Tehillim, il y a la ségoula de te faire ramener exactement à la bonne porte qui te correspond à toi. Et comme ça, tu es capable d'être, que ta tchouva, elle soit acceptée. N'importe quel Tehillim. Il y a une certaine quantité à faire? Non. Mais Sougal, il dit, il faut être habitué. Un par jour, un par 10 minutes, ça dépend chacun. Ça dépend chacun, je vous dis, ça dépend chacun. Alors, on peut pas. C'est ça qu'il dit, on peut pas, mais les Tehillim, ils vont faire en sorte que ça va arriver à ta porte. Vous allez arriver à votre porte. On dit qu'il y a 13 portes, il y a la porte de Yitro pour les guérim. C'est autre chose, ça. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle, il y a 49 portes de Tchouva. Il y a 13 portes, c'est encore un autre concept. Vous avez raison. Pour les guérim. Alors, David, il méritait pas la vie qu'il a eue. Et là, il a eu cette vie-là que pour montrer le chemin à nous tous de faire Tchouva. Nimsa sheikar ora tshuva al yedei David Ameler veikar tshuva shel David Ameler ou sefer Tehillim. L'essentiel de cette tshuva est contenu dans les Tehillim. Sha'amu bitoherut gadol meod uvor hakodesh shekol echad veechad kefi mashehu. Et comme il l'a créé avec tellement de d'esprit saint, c'est du roi hakodesh les Tehillim. C'est pas en vérité, c'est pas seulement lui qui les a écrits, c'est écrit qu'il y a David, il y a par exemple Mizmor Shel Shabbat, c'est Adam Rishon. Il a compilé. Mais même ce qu'il a, pas seulement ce qu'il a compilé, même ce qui a été écrit par d'autres. Il a eu lui comme roi HaKodesh, il pensait que c'était lui. C'est juste qu'après ça a été dévoilé qu'il y en a qui venaient d'Abraham, il y en a qui venaient d'Adam. Mais c'était lui au moment où il était en train de pleurer, il était en train de dire ces mots-là. Ouais, mais David Ameler, en vérité, il a écrit beaucoup plus que 150 Tehillim. Tous les soirs il pleurait au moins... C'était quoi la journée de David? Il dormait jamais. Il dormait presque jamais, un peu la journée. Mais en tout cas la nuit, il somnolait jusqu'à minuit. Et en étudiant la Torah, il y en a qui disent, la Torah orale. Et à partir de minuit, il se levait pour chanter à Hachem. Donc vous imaginez toutes les nuits, de minuit jusqu'à 8h, 7h du matin, il faisait que des Tehillim. Donc il faisait des milliers et des milliers de Tehillim. Mais 150, ça c'est ceux qui nous concernent à nous. Après, il a laissé personnel à lui, qu'il avait besoin lui. Mais les 150 qui ont été écrits dans le livre des Tehillim, c'est ceux qui nous concernent à toi, Misraël. Mais c'est à moi, c'est à moi, David, Raoul et Thomas. Et car, Isdarfout. Donc tu vois que quoi? Que toutes les 12 tribus, elles étaient où? En Mitzrayim. Après ça, il y a eu, une fois qu'elles sont arrivées en Israël, il y a eu un combat entre Yehuda et Binyamin et le reste. Le reste a été exilé, ensuite Yehuda et Binyamin a été exilé aussi. Donc en tout cas, où on était rassemblés, c'était au moment de Mitzrayim. Chez Ubechinad Metzar Garon. Et Mitzrayim, c'était l'endroit où on pouvait pas... C'est écrit que... C'est quoi le vrai esclavage? C'est quand tu ne peux pas laver la tête au ciel. C'est-à-dire quand tu es tellement oppressé par ton quotidien que Dieu, tu n'y penses même pas. Je veux dire, c'est trop difficile déjà. La vie, rien que respirer, se lever le matin, c'est déjà trop dur. Si tu vas penser à Dieu maintenant, il faut déjà avoir un peu de répit pour penser à Dieu. Alors l'esclavage, c'était tellement dur qu'il n'y avait même pas de quoi lever la tête au ciel et parler. Ils n'étaient même pas capables de prier. Ça ne sortait pas les mots. Même au moment où ils ont été sortis d'Égypte, qu'est-ce qui est écrit? Saraka, ils ont crié.
Il n'y avait pas de mots. Ils ont juste crié. Ils ont dit à un moment, on n'en pouvait plus. Ils ont crié. Ils ont dit, oh, ça suffit. Genre, ça y est, on en a marre. Mais c'est ça, et c'est ça qu'Hachem il a entendu. C'est même pas des paroles. Mais donc c'est pour ça que depuis le moment où ils n'arrivaient pas à parler avec Hachem jusqu'à le moment de Matan Torah, il y a eu 49 portes qui ont été de façon accélérée acquises qui correspondent aux 49 lettres dont on a parlé. Ok, ça c'est pour ce principe là. Et dit Rabbi Nathan, si vous avez des questions. Oui, non, peut-être que non. Donc maintenant, vous avez compris que tout le principe, il est qu'un homme, il est en perpétuel tchouva, en vérité. Toute sa vie dans ce monde, ce ne fait que de ça. Et toutes les épreuves qu'il reçoit, ce ne fait que pour ça. C'est-à-dire qu'en réalité, tu pourrais te demander, mais pourquoi Hachem, il permet que des gens, ils s'éloignent tellement, ou ils tombent. Tu sais, des fois, tu vois des gens qui tombent dans des choses que, vraiment, c'est des choses difficiles pour eux. Ou des épreuves qui sont extrêmement dures. Je dis, mais pourquoi il permet des choses comme ça? Alors Rabbi Nathan il dit, c'est parce qu'un homme, il est venu dans ce monde pour faire tchoua. S'il ne tombe pas, il ne peut pas se relever. Donc Hachem, il le laisse tomber. Même des fois, il le pousse. Il lui dit, vas-y, tombe un peu. Tombe un peu que tu puisses te relever. Ouais, c'est vrai que c'est... On ne peut pas. Mais Hachem, la grandeur d'Hachem, c'est qu'il sait déjà ce qui va se passer. Et qu'il ne pousse pas quelqu'un qui sera pas capable de se relever. Chacun. Voilà, il pousse avec la force que tu es capable de revenir. S'il te pousse trop fort, c'est fini, tu es déjà de l'autre côté. Alors il dit ici, tshuva nikra keter. La tshuva, elle s'appelle keter. La tshuva d'abord, ça a été créé avant le monde. Vous savez que le concept de tshuva, il a été créé avant que le monde soit créé. Pourquoi? D'abord Hachem, on a dit, il a pensé à Israël. Ensuite, il a pensé comment il allait créer son monde. Alors au début, il a voulu le créer Bedin, comme c'est écrit dans Bereshit. C'est pour ça que le premier nom d'Hachem qui apparaît dans la Torah, c'est Elohim, exactement. Qui est le nom de Din, de la rigueur. Quand il a vu que ça ne marchait pas, il a ajouté le Chesed dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il a dit, si maintenant je le crée avec rigueur, au bout de 2 minutes, tout le monde est mort. C'est fini. Il n'y a plus de monde. Donc maintenant, il me faut un moyen que le monde y tienne. Parce que moi, je veux qu'il reçoive le bien. Donc il faut qu'il tienne au moins jusqu'à la fin, jusqu'à Mashiach. Donc comment on va faire ça? Il a créé le concept de retour, de tshuva. C'est-à-dire quelqu'un qui faute, c'est pas fini. Tout ce que Rabbi Nachman il dit, si tu crois que tu peux détruire, casser, alors sache que tu peux réparer. C'est-à-dire les gens ils savent qu'ils peuvent faire des bêtises, mais ils savent pas qu'ils peuvent réparer les bêtises qu'ils ont faites. Alors Rabbi Nachman il dit, si tu sais, tu es convaincu que tu peux casser quelque chose, que tu peux détruire quelque chose, alors sache que tu peux aussi réparer. Ça veut dire que c'est de la même façon que tu as pu détruire ce vase-là. Disons qu'on va prendre l'exemple d'un vase, quelqu'un casse un vase en 1000 morceaux. Celui qui le voit par terre et qui voit tous les morceaux complètement désagencés, tout ça, il dit jamais de la vie. Mais s'il dit ça, sache que tu peux réparer. Hachem, il a mis des tzadikim dans le monde qui savent où les morceaux vont, qui vont t'aider à faire les choses. Toi, tu n'auras pas beaucoup à faire en vérité. Déjà, si tu amènes les morceaux au tzadik, le tzadik il va réparer le reste. Il y a déjà des systèmes de bypass, comme on dit. Ouais. Et donc il dit ici, donc ça c'est et donc tout ça commence avec la question sur les sphirotes. Alors en vérité, comment ça marche? Hachem, on va prendre ça dans l'exemple de la lumière, c'est plus facile. Parce que de toute façon, on appelle Hachem Or Ein Sof, on appelle ça la lumière infinie. Et en vérité, c'est que des concepts de lumière. Ça veut dire que c'est comme si maintenant vous prenez une centrale électrique, ouais. Combien, moi je ne connais pas exactement, mais combien il y a de volts qui sortent d'une centrale électrique? Tu vas directement à la centrale. Des milliards de volts? Combien? Des millions de volts? Oh, j'imagine des millions de volts. Et vous voyez que, en réalité, si vous mettez maintenant, si je branche mon téléphone à la prise, c'est quoi? C'est 260, ça dépend des pays, 70, soit 220 volts qui vont sortir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Qu'est-ce qui se passe entre la centrale électrique et la prise qui est là? Il y a des compartiments, je ne sais pas comment ça s'appelle. Des panneaux électriques qui font que à chaque fois que ça passe de l'entrée du panneau à la sortie du panneau, il y a une diminution d'énergie. Ça a affaibli l'énergie jusqu'à arriver que moi je suis capable d'utiliser le 220. Bravo, très bien. Alors, c'est exactement ça. Alors, ici, c'est la même chose avec HM. HM, c'est des milliards et des milliards de volts. Si maintenant je me branche à HM, tout de suite vous allez me voir griller comme ça. Là. Tu vas voir juste les os et même les os, ils vont devenir de la poussière. C'est-à-dire, même pas.
ça va prendre quelques millièmes de secondes le temps que vous fassiez, vous clignez des yeux, je suis plus là. C'est fini. Pourtant, HM, c'est que du bien. Mais moi, je suis pas capable de recevoir. C'est pas lui le problème, c'est moi. Moi, si je prends du 80 000 volts, c'est fini, je suis mort. Donc, qu'est-ce qui se passe? HM, il veut pas que je meure. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met des écrans entre moi et lui. Alors, il met des milliers, des milliers, des milliers d'écrans entre moi et lui, jusqu'à que, tellement d'écrans, jusqu'à que moi, je suis capable de recevoir sa lumière. Et que je suis capable de vivre avec sa lumière. Et pas seulement de vivre, mais être capable de faire tchouva, c'est-à-dire de passer de l'écran 4885 à l'écran 4884. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, moi j'ai besoin de, on va dire, je sais pas moi, 5000 écrans pour recevoir la lumière d'HM, c'est un exemple, ouais. Lui, là, c'est des milliards de volts et moi j'ai besoin de 220 volts. Maintenant, quand je vous explique que je fais tchouva, quand par exemple moi, je prends sur moi, je sais pas moi, de faire la bracha du matin de Modéani avec Kavana. Okay. Quelque chose de petit, parce que n'essayez pas des grandes choses, ça ne va pas marcher. Vous prenez quelque chose de petit. Ouais, la première bracha que vous faites, vous pensez Bekavana au nom d'Hachem, Baruch Ata Hachem. Hachem, tu es une source de bénédiction. Et Al-Netilat Yadayim, que tu m'as demandé de faire. Juste ça. Okay. Quand j'ai fait ça, j'ai fait quoi? J'ai fait Tshuva. J'ai fait Tshuva sur quoi? Ben, je me suis rapproché de ce que veut Hachem. Parce qu'en vérité, ce qu'il voudrait, c'est que je fasse ça tout le temps. Mais moi, je ne suis pas capable de faire ça tout le temps. Je fais juste la première bracha. Ok, mais j'ai fait Tshuva. Parce que hier, je ne faisais pas. Aujourd'hui, je fais. Donc hier j'étais l'homme A, maintenant je suis l'homme B. L'homme qui est capable de faire la kavana sur les tchatchitanines du matin. Donc maintenant qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé un mur du son, une frontière. Ouais, j'ai passé un... Comment vous appelez ça? Un obstacle. Un obstacle ou un voile, ouais, un schlaf. J'ai passé un voile. Donc maintenant au lieu d'être à 5000 lieux, à 5000 bornes d'HM, je suis à 4499 bornes d'HM. Et donc ça m'a permis de revenir. Et ainsi de suite jusqu'à l'avenue du Mashiach où il n'y aura plus de limite. Ce sera complètement direct et on pourra être capable de recevoir les milliards de volts sans avoir besoin de ça. Mais en attendant, on a besoin de ce principe-là. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? HM, c'est Ein Sof. Maintenant, il a dit, quand j'ai créé le monde, j'ai fait des shvira, ce qu'on appelle shvira takelim, parce que leur Rizal explique, mais c'est des concepts très profonds, qu'il a cassé des ustensiles, mais ce n'est pas des ustensiles, c'est des mondes, qu'il a cassé pour que chaque fois qu'il y en a un qui casse, il absorbe de la lumière. Il y en a un qui casse, c'est l'absence de la lumière. Il y en a un qui casse jusqu'à que ce monde-là, il ait pu recevoir la lumière dont il a besoin. Maintenant, quand il a reçu la lumière dont il a besoin, alors il a pu commencer à vivre. On sait très bien que si on était quelques kilomètres plus proche du soleil ou quelques kilomètres plus loin du soleil, le monde n'existerait pas. Soit on serait gelé, soit on serait brûlé. Donc on est exactement à la bonne distance du soleil et on est aussi exactement à la bonne distance d'Hachem. Maintenant, quand Hachem il a voulu transmettre au monde, il lui fallait des midotes. Donc il a créé des sphirotes, c'est-à-dire des sphères qui l'une s'embrique dans l'autre, jusqu'à arriver à notre sphère à nous, qu'on reçoit directement de Malchut. Donc en vérité, on va dire, il y a des comportements d'Hachem qui se dévoilent à chaque sphira, et qui transmettent au prochain comportement jusqu'à arriver vers nous. Et comme ça, on peut recevoir de lui. Donc tout le principe, c'est quoi? C'est qu'il y a des shlavim, des étapes, des mondes de différence entre nous et Hachem, pas parce que Hachem ne veut pas de nous, Hachem il voudrait nous enlacer et qu'on ne brûle pas. Mais puisqu'on va brûler, il a mis ses écrans entre lui et nous. Et plus un homme il est loin, plus il y fait tchouva, plus il, à son niveau, il diminue de ses écrans, il se rapproche de Dieu. C'est pour ça que la plus grande montée, c'est de sentir que Hachem il est avec toi. Alors il y a des gens qui sont tellement occupés, sont tellement dans la galoute qu'ils pensent à Hachem de Kippour à Kippour. Toute l'année, ils sont tellement occupés par la vie et ils sont tellement pris dans l'engrenage de la galoute que tu le parles d'Hachem, non, pas forcément. Pas forcément qu'il va payer cher. Ah bah, s'il y a une synagogue dans la ville qui ne va pas, les autres, ils vont, ils vont. Ouais, mais si lui. Kafakela, celui qui ne fait pas de chouva, Kafakela. Et 12 mois, c'est même pas. C'est ouais, non, mais ça, c'est encore un autre. Ça, c'est après ce monde-ci. Il est encore vivant, lui. Il est encore vivant, mais Zoratashem lui fera tchouva avant de mourir. Mais en tout cas, le principe, il est que pour le moment, la personne, elle est très très loin. Et il y a des gens qui sont de Kippour à Kippour. Déjà, ils pensent à Kippour, mais on va dire que Kippour, il n'arrive pas. Donc maintenant, cette personne-là, elle veut se rapprocher. Mais elle n'arrive pas parce qu'elle n'a aucun moyen. C'est comme une prison. Donc il dit, quelqu'un, il fait les Teilim, il va casser un peu de la prison, il va sortir à la prochaine étape. Maintenant, au lieu de penser tout l'équipe de Kippour, il va penser tous les mois, ou au moins aux fêtes, aux grandes fêtes. Shavuot, Sukkot, Hanouka. Après ça, il se rapproche tous les Shabbat. Après ça, il se rapproche tous les jours. Après ça, un homme, il peut vivre avec Hachem toutes les heures, toutes les minutes.
Les grands tzadikim, ils ont Hachem devant eux tout le temps. C'est écrit sur Rabbi Meir Balanes, c'est Proto Yaganaleno, qu'il arrivait dans une. La Gemara dit qu'ils arrivaient dans une ville, ils n'avaient pas de Megillah. Et c'est interdit par la Halakha d'écrire une Megillah sans avoir une Megillah sur laquelle copier. La Megillah Tester qu'on lit à Purim. Merci. Qu'on lit à Purim. La Halakha nous interdit de copier de la copier de tête. Alors il arrive là, il n'y a pas de Megillah. Et Rabbi Meir prend un parchemin, il écrit. Il écrit la Megillah. Alors on lui demande, mais non, c'est la Halakha interdit de faire ça. Il dit, non, moi je l'ai devant les yeux, moi la Megillah, j'ai pas besoin. Ça veut dire, devant lui, il a toute la Torah, devant lui, il a Hachem toute la journée. C'est-à-dire, il n'y a pas de F-sec, il n'y a pas de séparation. Ça, c'est des très 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 grands niveaux. Mais nous, déjà, on peut, juste en pensant un peu plus à Hachem, à qu'est-ce qu'il veut de moi, à comment je peux me rapprocher de lui, à venir maintenant, on vient à Chiour, pourquoi? Il y a tellement d'autres choses à faire dans le monde. C'est vrai, sérieusement, il y a tellement d'autres choses à faire dans le monde. Pourquoi on est là? C'est parce qu'on a compris qu'on a une chance de revenir. Hachem, il nous donne une chance. On habite en Eretz Israël. On a de la Torah, on a des livres, on a une chance de venir. Alors, on veut se rapprocher. Même si on n'est pas conscient, même si on le fait pour d'autres raisons, parce qu'on nous a appelés, on a dit de venir pour compléter. Mais à la fin de la journée, c'est une réalité que c'est vrai. Et pas seulement ça. Vous savez, il y a différents niveaux de Emouna. Le premier niveau de Emouna, c'est que d'avoir foi que Hachem, c'est lui qui a créé le monde. Ça, c'est le premier niveau. Alors, même les goïms, a priori, ils ont ça. À part ceux qui croient au Big Bang, mais aujourd'hui, presque personne ne croit plus au Big Bang. Parce que qui aurait cru qu'un monde aussi parfait puisse être créé à cause d'une collision? Mais bon, déjà, c'est extraordinaire qu'ils y croient. Mais bon, on va dire que même les goïms, ils savent qu'il n'y a pas de hasard, Hachem, il a créé le monde. Le deuxième niveau de Emouna, c'est que Hachem, pas seulement qu'il a créé le monde, mais qu'il gère son monde. Pas comme quelqu'un qui l'a créé, après ça, il a laissé tout balancer, non. Il gère son monde à chacun. Ça veut dire quoi qu'il gère? C'est très important à comprendre. Ça veut dire que maintenant, si ce standard-là, il est comme ça, c'est parce que à cet instant précis, Hachem, il veut qu'il soit comme ça. Et dans la seconde qui vient, il veut encore qu'il soit comme ça. Et la seconde qui vient, il veut encore qu'il soit comme ça. Et la seconde qui vient, il veut encore qu'il soit comme ça. C'est pas il a décidé, ah tu sais quoi, pour les 10 prochaines années, le standard, il va être comme ça. Non, c'est pas ça. Chaque seconde que la table, elle est comme ça, c'est parce que Hachem, il dit, je veux que la table soit comme ça. Et Hachem, il est capable de faire des milliards de volontés. Chaque seconde que alors si vous imaginez pour la table, encore plus pour un homme, chaque chose qui vous arrive, c'est parce que Hachem, il veut que ça vous arrive. Chaque seconde, c'est-à-dire que vous avez rencontré telle personne, vous avez parlé avec telle personne, on vous a dit telle chose, c'est parce que Hachem, il veut qu'il me dise ça. C'est parce que Hachem, il voulait que je rencontre telle personne. Hachem, il veut. C'est que des volontés d'Hachem qui s'expriment dans le monde. Ok? Ça, c'est le deuxième niveau de Emouna. Troisième niveau d'Emouna, c'est que la volonté d'Hachem, elle est pour le bien. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas seulement qui veut. Mais c'est un tyran qui veut me faire du mal ou qui veut me punir, etc. Comme c'est le cas dans certaines autres religions, ouais, qui tue pour le plaisir. Mais nous, c'est pas comme ça. Nous, on sait, on a une foi complète que pas seulement qui veut, mais que la table, elle est là, qui veut qu'elle soit là, c'est pour le bien. C'est pas seulement qu'elle est là stable. Que c'est juste une volonté comme ça. Non, c'est parce qu'il y a un but qui est bien. C'est quoi ce but qui est bien? C'est qu'elle sert à que je puisse poser mon standard, que je puisse poser ma Torah, et que moi je puisse étudier la Torah, et que vous puissiez partager la Torah, et que nous on puisse profiter de la Torah sans un temps, et jusqu'à l'éternité. Donc il y a tout un processus de bien. Maintenant, le dernier niveau. Et le dernier niveau, c'est que Hachem, il veut pas seulement pour le bien, il veut pour le meilleur. C'est différent. C'est quoi la différence entre pour le bien et pour le meilleur? Ah, vous êtes là, je pense que je vous ai perdu, c'est fini. Je pense à bonsoir, je vous ai perdu. C'est quoi la différence pour le bien et pour le meilleur? Le bien, c'est stable, le meilleur, on surpasse. Le très bien, c'est bien. Il a dit le bien, c'est bien, le meilleur, c'est non. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? C'est que le bien, ça peut être, voilà, c'est pour le bien. C'est-à-dire, il y a une chose qui arrive, je dis, ah, à quoi les tova, c'est pour moi, c'est pour mon bien. Mais maintenant je me dis, écoute, je sais pas, quelqu'un, il a une crevaison. Au moment où il est en train de faire la crevaison, il est sous le soleil en train de changer son pneu, etc. Il dit, ok, à quoi les tova, c'est pour le bien. Ça veut dire, bon, il va sortir du bien de ça. Jamais c'est ce qu'il fait, il va sortir du bien. Mais quelqu'un qui vit au niveau de c'est pour le meilleur, c'est plus seulement qu'il va sortir du bien. C'est que ça, c'est la meilleure chose pour moi.
Ça, c'est la meilleure chose. C'est-à-dire le fait que maintenant, je suis en train de changer ma roue, c'est ça la meilleure chose pour moi. Alors pourquoi? Parce que ça fait un tikkun pour un autre truc que j'ai fait. Ou, je sais pas ce que, mais ça, c'est le meilleur. Donc ça, c'est le dernier niveau de Emouna. Alors il dira, c'est un surniveau. C'est le top du top. Donc ça veut dire que, ça veut dire qu'en réalité, ce que explique ici Rabbi Nathan, c'est que un homme maintenant, il fait tchouva, on a expliqué, ça veut dire qu'il passe de l'état A à l'état B. Et c'est quoi cet état A, état B? C'est quelqu'un qui, il était A, il n'était pas capable de recevoir tant de niveaux de bien. Hachem, il veut lui donner plus de bien, il le fait passer à l'état B. C'est quoi plus de bien? C'est qu'il a franchi un écran entre lui et Hachem. Comme il a franchi un écran entre lui et Hachem, il ressent encore plus Hachem. Donc il est capable de recevoir le plus de bien. Et plus tu te rapproches, plus c'est ça. Les gens, ils n'ont aucune conscience de ce que c'est quoi le bien. Parce que il dit par exemple le Rachem Akadosh dans Parashat Yitro, si je me trompe pas, là-bas il a tout un mahamar sur la Torah. Il dit les gens ils ont aucune idée c'est quoi le goût de la Torah. Ils n'ont pas le goût de la Torah. S'ils avaient le goût de la Torah, jamais ils sortiraient au restaurant. Toute la journée ils seraient en train de manger de la Torah. Tellement c'est bon. Mais comme ils ont tellement d'écrans, hein, pour eux ils lisent comme ils liraient un Eton. Des fois un Eton c'est plus intéressant que la Torah. Ça veut dire c'est rien du tout. Qu'est-ce que je vous en train de vous lire là? C'est rien, c'est pas ok la tchouva, ok le Tehillim, c'est Besoukalat. Mais en réalité, un jour, un élève de Rabbi Nachman, il a fait un rêve. Il était dans la ville de Rabbi Nachman, il a fait un rêve. Et dans ce rêve, il voit un homme qui s'approche de lui. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris chez ton rébé aujourd'hui? Alors il commence à lui dire, c'est une Torah, la Torah 12. Il commence à lui dire les premières paroles de la Torah. Et il le voit en train de monter, jusqu'à qu'il ne le voit plus. Alors là, il se réveille. Il court chez Rabbi Nachman, en pleine nuit, il court chez Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il dit, oh, vous savez pas ce qui m'est arrivé? Il dit quoi? Il dit, j'étais en train de rêver. Et j'ai vu un homme, un vieux zaken avec une barbe blanche. Il m'a demandé, qu'est-ce que vous m'avez appris aujourd'hui? Et j'ai commencé à lui dire les premiers mots de la Torah que vous m'avez appris aujourd'hui. Et je l'ai vu monter, il s'éloignait de plus en plus dans les lumières. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ce que tu as entendu, toi, c'est ce que lui a entendu? C'est-à-dire, tu crois ce que tu as compris, toi, ce que tu as senti, toi, ce que tu as goûté, toi, de ma Torah, c'est ça qu'on va goûter au 120 ans. Mais ça n'a rien à voir. Nous, ce qu'on goûte, c'est comme c'est écrit que les fruits, quand Baba Salé, il est venu, non pas Baba Salé, quand Baba Meir, le fils de Baba Salé, il est venu en Eretz Israël, et il a goûté les fruits, il a pleuré. Les fruits d'Eretz Israël, il a pleuré. Alors on lui a demandé, mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Alors il lui a dit, parce que c'est écrit que les fruits d'Eretz Israël, c'est les meilleurs du monde. Mais je goûte et je goûte pas les meilleurs du monde. Au Maroc, ils sont meilleurs, il lui a dit. Il lui a dit au Maroc, ils sont meilleurs. D'après, il y a une raison pourquoi au Maroc, ils sont meilleurs. Hein. Enfin, peut-être plus aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait une raison. Et je vous dirai la raison après. Et alors, il lui dit, et je goûte, alors je pleure. Il lui dit, mais pourquoi vous pleurez? Il dit, parce que ça veut dire que les fautes des gens qui vivent ici, ils ont tellement abîmé la terre que maintenant, le goût des fruits, il a changé. C'est quoi l'idée? C'est que normalement, l'origine, c'est que ce soit les meilleurs fruits du monde. Maintenant, nos fautes à nous, il fait que notre palais, il sent plus. C'est comme quelqu'un, il est enrhumé. Il a moins de goût. Ouais, ben, la faute d'un homme, ça l'enrhume. Ça l'enrhume spirituellement. Il ressent moins ce qu'il est censé ressentir de la Torah, des mitzvot, etc. Donc, il dit quoi? Alors, je vous explique pourquoi maintenant le Maroc, c'était mieux. C'est écrit, on a retrouvé un sefer de Rabbi... David Ben Baruch, si je ne me trompe pas. Là-bas, il écrit qu'au moment où Yoshua il a traversé le Jourdain pour entrer en terre d'Israël, il fallait combattre sept peuples des Cananéens. Ouais, vous savez, c'est écrit dans la Torah. Sept peuples, il fallait combattre. Ils ont commencé à combattre le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Et chacun, il se battait, il perdait, il s'en allait. Il y en a un qui n'a pas voulu se battre. Ils ont entendu que les Israélites venaient, ils ont compris qu'Hachem les avait donnés, ils sont partis. Ils sont partis, de d'eux-mêmes. Ils n'ont pas voulu se battre, ils ont dit « Ok, c'est bon, Hachem, il a dit que c'est à vous, on vous la laisse, on s'en va. » Quand ils sont partis, où ils sont partis? Il dit « Au Maroc. » Ils sont dit jusqu'au Maroc. Il a dit « Hachem, puisque vous avez donné la terre d'Israël de votre plein gré, je vais vous donner les fruits de la terre d'Israël, ici, là où vous êtes. Bon, » eux aussi, je pense qu'ils ont dû l'abîmer un peu parce que c'est pas si bon que ça. Mais c'est pour vous dire... Ils sont bons. Mais c'est pour vous dire que... Qu'en réalité, c'est pas le problème, c'est pas la Torah ou les mitzvot, c'est ce que nous on ressent, c'est ce que nous on goûte. Alors c'est ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan. Tshuva nikra keter. La tshuva, c'est appelé une couronne. Ki habal itaer, mesayayin olo.
Parce que celui qui veut se purifier, alors on l'aide. On brime le hamten. Mais des fois, hein, normalement on l'aide. Mais des fois, hein, on ne le laisse pas. C'est-à-dire, quelqu'un il dit, je veux faire tchouva. Il dit, mais attends, maintenant tu as un dossier dans le ciel. Et les anges ils disent, regarde ce que tu as fait. Et pourquoi Hachem, c'est pas un frayeur. Ça fait 18 ans, tu manges du pose, du jambon. Et maintenant tu viens, tu dis, ça y est, je veux devenir Rabbi Meir Balanes. Ça marche pas comme ça. Alors Hachem, il aimerait bien que ça marche comme ça. Enfin, il aimerait bien. Il a créé un système qui ne permet pas. Ça veut dire, lui, il aimerait. C'est pas un problème pour lui. Mais il a créé un système de justice. Il y a des anges accusateurs. Et les accusateurs, ils vont pas laisser ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, attends, même s'il continue à fauter. J'ai eu Bouchénat Keter, qui mange Katar Lise. Mais où Bechénat Eye? Veillef Charlie Scott Lazé, et là, elle a aidé Bechénat Dom Lachem. Alors, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on envoie des épreuves à l'homme. Et si l'homme, malgré qu'on lui dit, lui, comme un homme, il dit, je veux faire Tchouba. À ce moment-là, il commence à avoir des problèmes dans sa vie. Loi, les noms. Alors, et qu'est-ce qui se passe? Il a d'autres solutions. Il dit, non, c'est pas pour moi. Si c'est ça la Tchouba, c'est pas la peine, j'en veux pas. Ah, il dit, ah, tu en veux pas, hein? Alors, ça, c'est bon, alors, bye. Alors, c'est-à-dire que tu voulais pas vraiment faire Tchouba. Ou bien, il dit, attends, maintenant, je voulais faire Tchouba et je commence à avoir des problèmes. Ok, c'est pas grave, je me tais, je continue. Je baisse la tête et j'avance. Et si tu fais ça, maintenant tu viens de faire taire, toi tu t'es tué devant les épreuves d'Hachem, alors les anges accusateurs qui sont censés passer par les contre toi aussi vont se taire. Et maintenant on va te laisser faire, tu vois. Voilà, c'est fait preuve, c'est pas l'épreuve, c'est le fait que vous n'avez pas répondu à l'épreuve. Vous êtes tué devant l'épreuve, parce que vous avez compris que c'est Hachem, que c'est pour mon bien, et c'est le meilleur pour moi. Ah, tu t'es tué. Alors nous aussi on va faire taire tous les anges accusateurs qui ont été créés par tes fautes, qui devraient t'accuser et ne pas te laisser faire, tu vois. Quand on va lui faire honte, et la vie va lui faire honte, et les épreuves vont lui faire honte, et lui il va se taire, alors à ce moment-là, on va lui laisser faire tchouva. C'est pour ça que des hontes et des épreuves viennent sur lui. Et grâce qu'il va devenir rouge, son sang, il va monter à sa tête par la honte, et il va se taire, grâce à ça, on va lui permettre de faire tchouva. Et donc, à ce moment-là, on est capable de faire tchouva. Maintenant, quelqu'un, il ne veut pas avoir des épreuves. Il dit, non, moi, les épreuves, ce n'est pas pour moi. Alors, il dit Rabbi Nachman, et on va finir sur ça, que celui qui lit les Tehillim, il permet d'emprunter les épreuves de David Amel. C'est-à-dire que lui, il passe à travers toutes les épreuves. Il dit, moi, je ne suis pas capable. Mais David, il est déjà passé par là. Et tout le but de l'épreuve, c'est de se taire et de se retourner vers Dieu. Alors voilà, j'ai pas besoin d'épreuve. Moi, je me tais et je prends les paroles de David pour me retourner vers toi, Hachem. Et puisque c'est comme ça, alors ça va bypasser le système et ça va permettre de faire tchouva à l'homme sans même avoir besoin de l'épreuve. Donc un homme qui fait, vous imaginez ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est habitué à faire des tehillim, combien il se sauve de problèmes? Vous avez aucune idée, mais c'est des problèmes qui sont. Les gens, ils attendent d'avoir des problèmes pour lire les Tehillim. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut lire les Tehillim pour s'éviter les problèmes. Pour s'éviter les problèmes. Parce que quelqu'un, il dit, tout le but des problèmes, c'est pour que tu te taises devant les problèmes et que tes anges accusateurs se taisent. Et que comme ça, ils te laissent faire tchouva. Et bien, il te dira, mais non, mais pourquoi tu fais tout ça? Il y a quelqu'un qui a fait ça pour toi. Il a déjà fait ça. David, il a déjà fait ça pour toi. Il a déjà fait le travail. Tout ce que tu as à faire, c'est faire ce que, lire ce que David est là. Il a écrit. Et comme ça, ces mots à lui vont permettre de faire taire les anges accusateurs et de te laisser faire, tu vois. Quelqu'un qui prie tous les jours, il a tous les Tehillim dans la prière. Oui, aussi. C'est aussi bien que... Ça fait partie, oui, ça fait partie. Mais je pense que ce n'est pas suffisant, mais ça fait partie. Mais aujourd'hui, si vous prenez... Il y a des Sefer Tehillim qui sont séparés par jour. Il y a à peu près 5-6 Tehillim par jour. Vous finissez en un mois, vous finissez le Tehillim. C'est incroyable. On n'a aucune idée de nous. Encore une fois, parce qu'on est tellement loin, alors on se dit quoi? C'est quelques mots qu'on ne comprend même pas, que c'est même pas nous qui avons écrit, qu'on n'est même pas relié. Hein? Même un demi, même une phrase de Tehillim. Chacun son niveau. Aujourd'hui tu fais une phrase, demain tu fais une ligne, trois. Je ne vais pas dire qui, mais moi j'ai quelqu'un dans mon entourage proche, il fait les Tehillim deux fois par jour. Tous les jours. Mais il n'est pas arrivé du jour au lendemain à faire des Tehillim. Bon, il est à la retraite. Mais ça veut dire, il a commencé quand il n'était pas à la retraite. Hein. Il a commencé, mais il ne faisait pas de Tehillim par jour. Ça lui prend une heure et demie à chaque Tehillim, ça fait trois heures. Une heure et demie le matin, une heure et demie le soir.
avant Ashkia, et il a fait tout le livre, deux fois par jour. Il ouais. Donc ça vous dit, c'est, bon, c'est, je vous ai pas dit de faire ça, un Tehilim, un Yid, est-ce que vous êtes capable? Mais sachez que, encore une fois, si vraiment tu es ma'amine dans ce que je t'ai dit, bah pas moi ce que je t'ai dit, ce que Rabbi Nachman nous a dit, si tu es ma'amine dans ce que je t'ai dit, qu'est-ce que tu préfères? Pas toi, qu'est-ce que quelqu'un préfère? Avoir celui-là qui lui vole, celui-là qui lui triche, celui-là qui lui casse la voiture, sa femme qui s'énerve avec lui, ou une demi-heure de Tehilim? Mais celui qui est vraiment ma'amine, qui croit ce qui est écrit, il dit, attends, je vais faire mes Tehilim, laisse-moi tranquille. Mais sérieusement, si le monsieur dont je vous ai parlé, il a vu qu'une heure et demie Tehilim matin, une heure et demie le soir, il est tranquille toute la vie, il n'a pas de problème, ses enfants, il le respecte, sa femme, elle l'écoute, qui va pas le faire? Tikkun HaKlali, c'est un condensé, c'est encore autre chose. Tikkun HaKlali, c'est pour la bride, c'est encore une autre histoire. Il y a d'autres chiorim, je t'enverrai les chiorim sur Tikkun HaKlali, c'est tout un sujet. Chazak Ubaor, Lelou Nishmat, on a dit Hana, Julie, Georgette, Bat, Myriam, et Eliyahu. Chazak Ubaor.